Bien, le problème pour plier le tube aujourd'hui, c'est ce que je vais vous montrer. Pour plier le tube PVC ou du tube transparent comme celui-là, hein, qu'on utilise dans nos orgues, ou du tube un peu rigide comme celui-là, le problème qu'on rencontre, c'est de quand on plie le tube trop serré, il casse. Alors, moi j'utilise une solution, elle vaut ce qu'elle vaut, mais on peut obtenir ça. On peut obtenir ça, on peut obtenir ça, on peut obtenir ceci aussi, et ceci. Donc Donc je vais vous montrer j'utilise comment je procède. Pour remplir l'intérieur du tube, bien sûr, remplir l'intérieur du tube, parce que c'est le seul moyen qui est possible, de manière à ce que ça ne se plie pas quand on chauffe. De la cordelette, de nylon, du diamètre intérieur du tube. Alors, divers morceaux de cordelette. Voilà. Et puis un pistolet thermique. Voilà les seules pièces que j'ai besoin pour cintrer du tube. Je rentre ma cordelette à l'intérieur jusqu'au bout. Donc voilà, le fil est passé à l'intérieur. La ficelle de nylon est passée à l'intérieur. Il n'y a plus qu'à le chauffer pour le former. Donc voilà, une fois chauffé, on peut le cintrer avec une courbe très très faible. Plus qu'à le laisser Bon, refroidir, il a voilà. été refroidi, donc il a gardé sa forme. Je n'ai plus qu'à retirer la ficelle de l'intérieur. Et voilà. Il n'est pas écrasé au milieu. Il a gardé toute sa forme et tout son diamètre intérieur. Alors, il est possible de le faire aussi avec le plastique transparent, le tube cristal, qu'on utilise dans nos chères orgues. On le réchauffe. Et quand il est suffisamment chaud, il suffit de lui donner sa forme, de le faire refroidir, et on peut utiliser ce système pour tous les tubes PVC, même du rigide, du souple, enfin ce que l'on veut, et on obtient des formes intéressantes de manière à passer dans des endroits qui sont un peu Mal biscornus. vu. Procédure pour du tube de 12, je glisse un bout de fil électrique à l'intérieur, je le chauffe. Je lui donne sa forme et je vais le refroidir. Voilà, il est refroidi, donc je retire le câble qui est à l'intérieur. Donc, il reste du même diamètre à l'intérieur. Il a pu être coudé.